je recherche des plantes qui augmentent l'efficacité des antibiotiques. Donc actuellement, on est confronté à un problème de résistance aux antibiotiques. Du coup, j'aimerais trouver dans des plantes des molécules qui augmentent l'efficacité des antibiotiques en inhibant les mécanismes de résistance des bactéries. Ce n'est pas réellement frustrant de résumer une thèse en 180 secondes, puisqu'ici on veut la faire comprendre à un public très diversifié, et donc je trouve ça très enrichissant d'essayer de se faire comprendre par tout le monde. Les antibiotiques utilisés à tort deviennent moins forts. C'est un problème qui nous concerne tous, et nous avons tous participé à son développement. Imaginez. Vous vous sentez mal, vous avez mal à la gorge, le nez qui coule, un petit pic de température. Vous vous rendez chez votre médecin traitant. Eh bien, je suis certaine que vous ne serez vraiment rassurée que s'il vous prescrit un antibiotique. Oh, ils sont remboursés en plus alors. Pourquoi ne pas en profiter? Vous pensez qu'en prenant ce médicament, vous allez d'office être soigné? Eh bien non, pas nécessairement. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est qu'il est fort probable que l'infection dont vous souffrez soit virale et que l'antibiotique ne serve donc à rien, puisqu'il tue les bactéries, mais pas les virus. Et deuxièmement, car les bactéries font de la résistance. Certes, elles ne fournissent pas de faux papiers, mais par contre, elles parviennent à mener à bien des actions de sabotage et éliminent leurs envahisseurs, les antibiotiques. À force d'abuser de ces médicaments, nous avons en réalité renforcé les défenses des bactéries. En pratique, je travaille sur deux types de bactéries responsables de septicémie. La première, la bactérie SA1, est capable de recracher activement certains antibiotiques de sorte qu'ils n'atteignent plus leur cible. La seconde, la bactérie MRSA, quant à elle, coupe ses ennemis en deux et les rend ainsi inefficaces. D'autres bactéries, plus coriaces encore, sont même capables de couper et de recracher en même temps. Il est donc urgent de trouver de nouvelles molécules originales afin de combattre ces petits êtres devenus un peu trop persévérants. Et c'est là que j'interviens, moi qui suis convaincue des ressources de la nature. Les plantes fournissent des médicaments depuis l'Antiquité et vous possédez peut-être dans votre jardin des plantes aux vertus encore inconnues. Saviez-vous, par exemple, que l'aspirine, cette antidouleur qui a traversé les générations, est extrait au départ de l'écorce de saule? Ou encore, que la perce-neige contient une molécule permettant de soigner la maladie d'Alzheimer? Eh bien donc, pourquoi ne pas rechercher des plantes aux vertus antibiotiques? Mais rassurez-vous tout de suite, je ne viendrai pas faire la cueillette dans votre jardin. Nous collaborons avec des collègues béninois afin de valoriser des plantes utilisées en médecine traditionnelle. Et j'aimerais faire mieux encore, j'aimerais combiner ces deux sources de molécules, les antibiotiques conventionnels d'une part et les molécules végétales de l'autre. En agissant sur plusieurs fronts à la fois, les bactéries ne sauraient plus où donner de la tête et cela compliquerait fortement l'émergence des résistances. Mon objectif est de trouver des molécules végétales qui augmentent l'efficacité des antibiotiques. Grâce aux plantes, j'aimerais scotcher la bouche de SA1 et broyer les ciseaux du MRSA. Utiliser les forces de la nature pour consolider le pouvoir des chimistes. Car à deux, c'est toujours mieux.